Ça vient pas au hasard si on gagne 6 buts parce que on a entamé une bonne phase de retour. On a marqué 3 contre Kyovo, puis on a marqué 4 contre l'Étincelle, puis on a marqué 3 contre Moussanzi à l'extérieur. Et aujourd'hui, on marque 6 parce que la concrétisation, elle était bonne. D'habitude, on crée un grand nombre d'occasions, mais on ne marque pas 6. Aujourd'hui, les joueurs, ils étaient très concentrés devant le but et très appliqués. Et on a marqué 6. Et normalement, on marque plus que 6 parce qu'il y avait plusieurs occasions aujourd'hui qu'on a ratées. Mais je suis satisfait de ce nombre de buts. Maintenant, on est la meilleure attaque et on doit continuer à travailler. Et rien n'est joué encore. Il reste encore 8 matchs. On doit jouer match par match, comme je dis toujours. Et chaque match pour nous, c'est un match de coupe. Comment je vais répondre? J'ai répondu. On a marqué 4 contre l'Étincelle. L'Étincelle, elle n'est pas faible. On a marqué 3 contre Moussanzi à domicile. Sur un terrain, une pelouse qui n'est pas praticable. Moussanzi, il n'est pas faible. Je dois marquer 6 contre qui? Pour que l'adversaire ne soit pas faible. Non, je crois au tir aujourd'hui. Les 3 buts qu'on a marqués la première mi-temps, ils ont perturbé le tir sur le plan mental. Et même la deuxième mi-temps, encaisser un but à 50 secondes, ça, il a un impact psychologique énorme sur l'équipe de Rotsiru. Et c'est ça, je ne peux pas dire qu'il est faible, Rotsiru. C'est une équipe qui joue la relégation. Normalement, elle doit être motivée, elle doit être concentrée. Elle joue la relégation. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai fait un énorme match sur le plan tactique et aussi sur le plan physique. Et je remercie mes joueurs pour ce rendement-là et on continue à travailler. C'est le travail. Il n'y a rien qui vient du vide. Le travail, c'est le travail. Nous, on est en train de travailler. On a des joueurs bien appliqués. Et le plus important, ce n'est pas travailler, mais c'est le joueur qui s'applique. On a des joueurs qui assimilent bien notre stratégie, notre méthode de travail. Et ils appliquent sur le terrain. Et le plus important, qui sont présents mentalement de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et même aujourd'hui, on a marqué 6 et on a voulu marquer encore 2 buts. C'est-à-dire, sur le plan mental, les joueurs, ils sont là et ils jouent avec un état d'esprit énorme. Et c'est ça, il n'y a pas autre chose. Toujours, je dis, il n'y a pas un secret, le travail, c'est lui qui donne des fruits. Non, c'est pas un conflit, c'est pas un conflit. Mais Yannick, il veut être buteur du championnat. Donc, lui, parmi les meilleurs buteurs maintenant, et chaque match il est en train de marquer, il a voulu tirer le pénalty pour augmenter son nombre de buts, mais le tireur s'est échoué et c'est ça, il n'y a pas un conflit, même Yannick il a compris ça. Non, nous, pour ce match, on a désigné Nchouti, parce que Nchouti est un attaquant et je veux que mon attaquant il marque. Aujourd'hui, Ramadan il a marqué, Yannick il a marqué, et Nchouti aussi il a marqué sur pénalty, donc nos attaquants ils sont en train de marquer chaque match. Et ça, c'est bien pour l'équipe. Non, je ne dois pas pousser, il doit l'appeler. Parce qu'il n'y a pas d'attaquant rwandais. Je ne vois pas d'attaquant rwandais. Il y a Bienvenu de Kyovu, il y a Yannick de la Paire. Et je ne vois pas pourquoi nous, le sélectionneur, la dernière fois, je crois, il a appelé 2 défenseurs et 1 gardien de but. Aujourd'hui, la meilleure attaque, c'est la Paire. Donc, tu dois appeler les attaquants de la Paire. Et même sur la défense, je crois qu'on est la deuxième défense. Je ne sais pas. Cette journée, elle va finir demain. Peut-être on sera la première défense. Donc, il doit emmener les défenseurs de l'APR et aussi les attaquants de l'APR et aussi Bonheur et aussi Bosco. Normalement, il doit amener toute l'équipe de l'APR. Pablo, il a eu des problèmes personnels et familiales. Il m'a demandé de partir depuis 2 semaines et j'ai tenu que Pablo, il reste avec nous, mais le problème familial, il est énorme chez lui, donc il a préféré quitter. Il a demandé ça à l'administration et l'administration, elle était compréhensive. Aussi, il a une formation en Espagne qu'il va la faire, qu'il ne doit pas la rater. Ça, encore une chose, donc cette formation, elle ne revient pas toujours, mais il ne doit pas la rater. L'administration, elle a compris la cause familiale, personnelle. Personnelle, c'est la formation et familiale, c'est la famille. Donc, elle a compris ça, elle a libéré Pablo. Nous, même après le départ de Pablo, Jamel Eddine Nafeti, c'est l'assistant et aussi c'est un préparateur physique de haut niveau. Il était le préparateur physique du club africain et de plusieurs équipes en Tunisie et même au pays de golf. Donc, il a pris aussi en tant qu'assistant aussi la tâche de préparation physique. Et aujourd'hui, on est là, après le départ de Pablo, on a gagné 4, 3 et 6. Non, je n'ai jamais demandé à l'administration
de faire partir Pablo. Jamais. Même Pablo Roski, avant de parler avec l'administration, il est venu à moi. Il m'a demandé qu'il a des raisons pour partir, des raisons familiales et personnelles. Et c'est moi qui a parlé en premier lieu avec l'administration pour expliquer la cause de départ de Pablo. Mais moi et Pablo, jamais on a eu un incident ensemble. Il a travaillé avec moi depuis octobre. On était ensemble jusqu'à la fin de la phase aller. Il a commencé avec nous la phase retour. Et jusqu'à maintenant, on est en bonne relation avec Pablo, il n'y a pas de problème. Et je n'ai jamais demandé de faire partir Pablo, il n'y a pas pourquoi je vais demander ça. C'est des fake news. Mugunga, il est encore en phase de réhabilitation pour sa blessure de cheville. Il est à l'entraînement, il fait la réhabilitation. J'espère que la semaine prochaine, il peut intégrer petit à petit le groupe.